Bonjour, alors sur cet atelier brico-déco, nous allons voir comment on aménage au moins cher possible et qu'avec de la récup, on aménage un break comme Sylviane pour partir en bivouac avec couchette, rangement, emplacement pour mon chien, tout ce qu'il faut quoi. Alors c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, nous avons utilisé quoi ? Deux anciens côtés de lit. Vous savez, c'est le montant du lit, comme ça, où il y a déjà le repose-sommier. Donc, ce n'est pas les deux mêmes largeurs, parce que un, c'est un côté de lit superposé, l'autre, c'est un côté du lit du bas. Mais ça, ça ne me dérange pas. J'ai des planches d'armoire, comme ceci, qui, en mettant un petit assaut que j'avais déjà qui rehausse à la bonne hauteur, je vais les mettre dessus, ce qui va me faire le plancher à la bonne largeur pour me faire une couchette à 60 degrés. Jusque là, alors j'ai tout vissé, pas sur la voiture bien sûr, j'ai tout vissé, reste plus qu'à mettre les planches. Voilà, les planches sont posées, tout bien calé, reste plus qu'à fixer les planches maintenant sur le support pour que ça ne bouge plus. Alors, n'oubliez pas de contrôler la bonne longueur de vis qu'il va vous falloir. C'est parti, on fait les pré-trous. Voilà, le plancher est fixé. Pour démonter, il n'y aura plus qu'à démonter les quatre vis de chaque planche, c'est tout. Comme vous pouvez le voir, ça avance. Voilà. Bon, ça va être consolidé, évidemment. Maintenant, il faut réfléchir comment je fais la suite. Ah. Bon, pour ce matin, je pense qu'on va arrêter là pour le moment parce qu'il commence à cogner ici. La voiture commence à être au soleil. Et donc, je vais devoir arrêter là. Juste contrôler si mes hauteurs, normalement, sont bonnes. Mais juste pour acquis de conscience, pour voir. Je vous dis à tout à l'heure sur autre chose. Non, mais tout va bien. Le jardin va être arrosé. Bien arrosé. Je ne vais pas aller vous montrer derrière comment ça se passe. Donc le jardin s'arrose et voilà comment un orage vous fait arrêter de travailler et de faire ce que vous étiez en train de faire. L'aménagement de la voiture, ça avance. Ça avance pas trop mal, le plus compliqué est en train de se faire. Voilà, c'est la partie couchette et rangement. Mais une fois ça terminé, ça va aller tout seul. C'est parfait. Moi, mes affaires personnelles, je m'en suis occupée aujourd'hui. Je
je me suis occupée du jardin. Et voilà, mais écoutez, c'est la fin de la journée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais c'est pas sans vous montrer le travail qui a avancé. Alors attention, c'est pas de la grande classe, c'est pas de la haute finition, mais par contre, c'est du solide et c'est du pratique. Tout avec de la récupération. Je le rappelle, c'est des montants de lit, c'est des planches d'armoire, c'est de vieilles armoires, c'est voilà, du bois de récupération. Je vous montre où on en est et ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Voilà, alors ici dessus, il y aura mon matelas. Pour l'instant, il y a la perceuse, la visseuse. Il y aura mon matelas ici dessus. Dessous, nous avons une grande boîte qui ferme, étanche et légère. Je passe là-bas. Hop! Nous avons une autre boîte. Nous avons une autre boîte. Et j'ai encore de la place là pour mettre des choses qu'on n'utilise pas souvent. Il y a un trou où on peut mettre des trucs là-dessous, facile à attraper. Donc le filet, je l'ai vidé. Je vais voir si je le garde. Ici, l'emplacement du fauteuil, on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir à l'attacher. Et bien entendu, il reste toute cette place ici, voilà, pour faire du rangement. Tout pour que ce soit pratique. On a essayé de poser le matelas dessus et moi de monter par l'arrière et de monter à la tête de mon lit qui sera ici couché. J'y arrive beaucoup plus facilement que à la première installation par la portière. En plus, une fois que je suis couchée, je peux ouvrir ma portière si je veux avoir de l'air. C'est super sympa. Voilà. Donc voilà où en sont les travaux. Cette fois, mais je vous dis à demain pour la finition, enfin pour continuer cette préparation et ce vrai départ cette fois. À demain, bisous.